La chasse à l'approche commence à se démocratiser un petit peu dans le secteur. Jusqu'à maintenant, le chevreuil se chassait surtout en battue. C'est d'autant plus agréable que cette alternance de haies et de prairies se prête énormément à la chasse à l'approche ainsi qu'à l'affût. Et que le chevreuil se prête également très très bien à la chasse à l'approche et à l'affût. Donc en principe, nous avons toutes les chances de notre côté pour éventuellement faire une jolie chasse aujourd'hui. On va essayer de s'approcher, on va tourner, on va contourner. Il y a un long pré tout en longueur sur lequel éventuellement on peut faire une jolie approche là. La population de chevreuils de la région a connu une grosse baisse d'effectifs il y a 4 ans de ça, qui a été due à une augmentation des effectifs avec une surdensité. Il y a un mécanisme qui se produit chez le chevreuil, à savoir que la fécondité des femelles diminue quand il y a surdensité. Et éventuellement, il y a des maladies qui peuvent également, qui sont contractées plus facilement du fait de cette surdensité, et donc ça fait chuter les populations. Je préfère m'abstenir de tirer. Dans le doute, on s'abstient toujours à la chasse. Mmh. En principe, c'est ce qui est préconisé. Voilà. Moi, dans ce cas-là, si je ne suis pas sûr de mon tir, si je ne suis pas sûr de bien pouvoir placer ma balle, si je ne suis pas sûr du résultat, je préfère m'abstenir et repartir bredouille. Je pense que c'est comme ça qu'il vaut mieux raisonner. On a fait une chouette approche. Il nous a attendu, on a pu le juger, on a pu le voir. Bon, il est parti. Il est parti. C'est la chasse. Hein ? Sur cette Aïka, il y a actuellement 120 bracelets qui sont attribués chaque année. Ça donne quand même une petite idée des densités qu'il y a, savoir qu'elles sont importantes. On arrive à voir des chevreuils relativement importants en bois, avec relativement massifs. Il y a un petit peu toutes les sortes de chevreuils qu'on puisse imaginer sur le secteur. Et voilà. On a un magnifique chevreuil de récolte, un magnifique chevreuil du Comminges, donc avec encore son pelage d'été, son pelage roux de pelage d'été. Alors la première balle était très très bien placée, elle est ici. Pour abréger les souffrances, j'ai tiré une deuxième balle, qui a priori était peut-être superflue, mais qui a permis d'être sûr que le prélèvement se fasse dans de bonnes conditions. On a un mâle trophée de récolte, à peu près plus de 25 cm de haut. Donc un bel animal pour le secteur. Et voilà. Donc maintenant on va lui mettre le bracelet. On ouvre entre le tendon et l'os. On remplit la date, on fait les encoches nécessaires. Et on ferme le bracelet autour de l'os. Ce sont des animaux extrêmement méfiants, et plus ils sont vieux, plus ils sont méfiants.